Au lieu d'employer les termes copie ou clone, je préfère dire qu'il y a beaucoup de produits sur le marché qui se sont inspirés du modèle authentique. J'ai donc testé toutes ces copies et j'en suis arrivé à la conclusion qu'elles sont radicalement différentes de l'original. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais elles sont vraiment différentes et d'une manière significative. Le modèle original n'a pas le même son car la tonalité des copies paraît plus lisse. D'autres gens l'ont remarqué aussi. Quand nous avons commencé le développement de la pédale New Vibe, nous pensions que le diagramme actuel issu du circuit original était correct. Malheureusement, il ne l'était pas. Je présume que quelqu'un a donc fait une erreur quand il a recopié le diagramme des circuits originaux. Le câblage interne était incorrect, et il a fallu tenir compte de cela. Le diagramme le plus ancien n'a donc pas bien été retranscrit, mais je pense que le circuit modifié est aussi sur le marché. Il a été très difficile de reproduire le circuit original. Par exemple, on n'a pas pu utiliser le sulfate de cadmium, car c'est un élément interdit aujourd'hui pour des raisons de sécurité. Ce procédé a donc été finalement source de complications. Les éléments utilisés pour créer le circuit interne de la New Vibe sont 10 fois supérieurs à la totalité de ceux utilisés à l'époque sur le modèle original. J'ai ajouté des faders pour vérifier les formes d'ondes pendant le processus de développement de la pédale d'effet. Et puis on a décidé de les garder sur le produit final. Ce sont les musiciens qui jugeront du résultat. Je pense que c'est très important d'aller au fond des choses et de créer ses propres sons. Des sons qui ne seront pas juste une création technologique. Alors s'il vous plaît, créez vos propres sons, car ils seront au service de votre musique.